L'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans le sud, au pôle France d'Antibes, avec un invité spécial, monsieur Kevin Dupuis, ancien gymnaste. Donc je te laisse te présenter en 2-3 mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bah écoute, je m'appelle Kevin Dupuis, je suis souvent cadet training sur les réseaux sociaux et puis je suis ancien gymnaste de l'équipe de France et actuellement je suis entraîneur au pôle France de gym, ici présent à Antibes. Donc ancien gymnaste de l'équipe de France, quelqu'un de taille pour me faire reprendre la gym après quasiment 4 ans d'arrêt. Donc cette vidéo, elle va se diviser en deux parties pour pas que la vidéo soit trop longue. On va suivre l'ordre olympique des Jeux Olympiques qui sont sol, arçon, anneau, saut, barre parallèle et barre fixe. Donc la première partie de la vidéo, ça va être sol, arçon, anneau. Et ensuite, on va faire saut, para, fixe dans une vidéo qui viendra dans quelques jours, quelques semaines. C'est toi qui vas prendre le relais, ouais. Kevin. Donc tu vas faire l'échauffement, je vais le suivre. Il va essayer de me donner ses petits conseils, même si j'étais quand même gymnaste. Donc, faut garder en tête que je ne suis pas débutant, je sais quand même faire des trucs, mais c'est quand même toi qui vas prendre le relais pour me montrer comment on fait les éléments correctement. Sachant que lui, ça fait quoi, 2 ans que tu n'as pas fait? Vraiment, ouais, depuis 2019, il est plus actif. Grand-chose, ouais. Il se fait vieux. Non, mais du coup, il va faire une montée progressive crescendo, on va voir jusqu'où j'arrive à le suivre. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez le suivre sur YouTube et sur Insta pour donner de la force. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire et on attaque par l'échauffement. Yes. Même si on a déjà commencé et puis ensuite, petite progression au sol. Let's go. Allez. Bon visionnage. Let's go. On va commencer par le premier agrès, on a fini l'échauffement, le sol. On est ici sur ce qu'on appelle un praticable. Kevin, tu nous expliques ce qu'on va faire? Bah écoute, on va commencer avec des petites roulades avant, on va voir ce que ça va donner. Et donc après, tu travailles au sol d'abord? Ouais, travaille au sol avec des équilibres, des valses, petites roulades arrière. Et puis après, on enchaînera sur des petits saltos avant, groupés. Ouais, je sais faire. Carpé. Tout. Des vrilles? Ouais, non, vrilles, non, vrilles, on oublie. Ok. On verra, on verra. Ouais. Petite roulade avant? Ouais, je te suis. Allez, ici. Tu remontes. Ah, à moitié, on fait rouler derrière parce que sinon ça va être. Ouais, ouais. Ok. Sinon, on va suivre. Alors, on fait 3 checks. Yes. Faut que je garde les pointes tendues là, faut pas que j'oublie. Soit beau. Donc, on va placer ici. Ok, jambes pliées. Ouais, on commence jambes pliées. Ça bloque. Attends. Mec, tu sais que ça me fait trop tourner la tête en vrai. Ouais. Essaye de te mettre plus sur les doigts. Le bout des doigts. Sur les kits, je vais faire la fin. Ça, tu vas passer le bout des doigts. Et voilà, nickel. Il était propre celui-là. Ah voilà. Est-ce que j'ai entendu là, Tiff? Oh la souplesse. C'est mieux ça. Mec, ça me tire les ischios. Ah ouais. Yes. Roulade avant, placement du dos, demi-valse, roulade arrière. Allez, je suis nul au valse. Allez. Putain, ça ne compte pas. Un peu plus derrière. Ouais, allez, vas-y. 1, 2. Ok, c'est ça, c'est ça. Pas mal, allez. Vas-y, refais, on va se faire une petite valse là ensemble, la petite malle qui. On se fait un petit carré. Ok, on y va. Ok. Ah, attends, je fais mal ouais. Le carré. Genre, ici, les mains. Vraiment, on fait ça, ça, ça et ça. Ok. Là, tu imagines, là, petit carré ici, là, 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 là et là. Ah, une valse complète. Ouais. Sur une petite valse. Ah, je croyais que tu voulais que je fasse demi. Non, on va faire une valse complète. Vas-y, demi-valse, ok. Complète maintenant. Ah mais attends, vas-y, attends. Je croyais que j'avais fait la valse. Non, t'as fait qu'une demi là. Ah mais, je suis con. Ouais. On va essayer de respecter ça. Genre, tu vois ici. J'en ai chié. C'est ça qui est beau quand t'arrives les équipes, c'est que même si t'es instable, tu te remets, tu vois. Ouais.
Oh, c'est loin. Ouais, mais c'est ça. Oh, mais le tour, il est long. Ouh. Ok, on est bon là-dessus. On part sur des petits rebonds. Sur des petits rebonds. Vas-y, petit rebond. C'est flamme que mon tendon, il pète. Ça le fait quand même. Ça le fait. Franchement, ça passe bien. Tu vas passer le salto avant tendu. Voilà. En gros, votre corps, il doit être complètement tendu. Comme ça. Regarde bien devant toi et tire tes talons. C'est ça, c'est ça. Là, tes bras, ils partent un tout petit peu trop bas. Essaye de les fixer genre devant et comme si t'avais un appui. Tu vois, là, toi, ça fait ça. Et les bras, ils sont partis en bas. Et fixe bien ton regard devant. Je vais laisser ta tête. Ouais, c'est pas mal. Mais mon corps. La percussion, elle est un petit peu légère. Ah ouais? Ouais. On sent que peut-être t'arrives un peu à buter. Je suis lourd. Non, attends, faut que je refasse un bien. Ouais, c'est pas mal. Genre. C'est longtemps. Vas-y. Ah, c'est propre. Ça part un peu tôt. Tu veux qu'on refait un propre ou... Bon, on en refait un propre. Je commence à transpirer. Franchement, c'est propre. Ouais. Ok. Mais oui, quoi, groupé. Groupé, ouais. Donc on pense à demi. Ouais, c'est pas mal. Faut essayer tendu. Bah allez, hein. Tu barani tendu. Ouais, on passe par un barani tendu, comme ça on fait une belle progression, et puis après on fait l'arrêt. Ouais, mais franchement, c'est bien. Alors, là, on voit quand même que ça part un peu tôt. Au moment où tu percutes, on voit que ça fait ça. Ouais, mais c'est plus savoir d'avoir ça et ensuite demi. Projection talon et ensuite demi. Ça part encore vite. Ouais, c'est... Ça part encore vite. Là, lui, c'est faire un tour complet. Tendu. Vrai ennemi. Ça j'ai jamais fait. Je le fais au trempeau, mais n'importe quoi. T'en montres une et puis t'essayes. Tu suis. Ouais, mais. Allez, c'était aussi simple que ça. Je dois changer quoi? Je dois juste. Franchement, vas-y au feeling et après je te dis en fonction de ce que je vois. Allez. Voilà, je comprends rien. Ouais, ouais, parce qu'en fait, alors, genre rien. Ouais, je suis pas. Tu vrilles avec les bras là-haut. Je sais pas si tu sens. Mec, je sens rien. Au moment où tu pars, en fait, tu pars comme ça. Et en l'air, t'es comme ça. Ah ouais? Il faut vraiment que tu restes ici. C'est pas comme ça? Ouais, non. Tu vois, t'as le bras qui a tendance à. Mais il faut que je parte comme ça. Ici, et après, en fait. Je... Genre vraiment, pense à partir là. Tu okay. vois, ça et ça. Par rapport aux oreilles, du coup, au début. Ouais. Tu peux les mettre, mais pas trop haut. Parce que je veux, si tu les mets, il faut vraiment que tu ailles rabaisser. Le truc, c'est de partir avec les bras là-haut et de donner une direction ici, tu pars vers le bas. Okay. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est quand même chercher un petit peu de hauteur. Ouais, parce que je suis bas. Ouais, je là, tu vois, on voit que ça fait vraiment ça. Quoi. Ah, c'était mieux, c'était mieux. Mais pourquoi j'arrive comme ça? C'est la parce que je suis bas. Ta percussion, elle est pas assez. Tu vois, t'es pas assez encore sur l'avant de ton pied. Tu penses que c'est ça? Ouais, t'es bien à plat. Et je sais pas si tu sens, t'as ton corps qui veut partir et ta tête qui reste. Non, je sens pas trop. Tu sens pas ça? Je comprends. Tu sais, quand je suis dans l'air, j'ai tu pas... Tu vois, dans ta vrille, faut vraiment que t'arrives à être compact. Et ta tête, en fait, elle suit ton corps. Moi, ça suit pas. T'as ton corps qui veut partir et ta tête qui reste là. Et en fait, ça crée toujours un petit décalage. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est... Ouais, bah ouais. Tu vois le truc? Mais... Ok.
niquer le dos. Ok, donc là, toi, ce que tu m'as fait, c'est ça. Tu as vu que j'ai sauté avant de poser au niveau des mains. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu arrives à poser tes mains et ensuite faire cette ouverture au niveau des épaules. Je suis ici, je pose. Je vais essayer un enchaînement en avant. En avant. Un ou deux, voir si. Je vais faire quoi? Je sais pas. On va voir si on fait ici ou en dur. Genre salto salto, tu vois. Salto salto, ouais. Oh ouais, je suis arrêté, genre. Ouais, j'ai dit ça passera jamais. Attends, faut que je refasse. J'ai pas eu confiance en fait. Ouais. Ouais, tu t'es arrêté. Tu fais le premier, je dis ça passe pas. Allez. Nickel ça. Bon, au moins il passe, c'est bon. Ah, avant on est bon, je pense. On est bon. Passe en arrière. Ouais. Allez. Donc on date, je suis ici. Ouais, ça tire. Après, quand tu vas projeter ta jambe. Oh, comment ça tire? Bah, t'as bien lancé la jambe. Waouh! Et deux rondades. Rondade percutée, demi-tour, rondade. Si mon adducteur y tient. Et ici. Ouais, c'est ça. C'est à quel moment que t'écartes les jambes? Bah en fait au moment où tu fais... Ouais. Et tu repars, tu vois. Ah ouais mais c'est pas instinctif. Et tu repars. Ouais, ouais. C'est ça. Okay. Pas de flip, vas-y. Allez. Arrête, tu sais pas quoi, c'est plus à quoi penser. Ouais. Et ça va revenir la sensation. Allez, l'action. Ok. C'est trop bizarre. Prends un peu plus. Ah ouais, bon, on le sent ouais, beaucoup plus. Vrai. Rondade salto. Rondade. Rondade salto. Ouais. Ouais, je suis travers. Hein. Ouais. Je suis travers. Mais, tu pars mais c'est moi qui parle. Quand tu cours comme ça. Je sais pas si t'as fait gaffe. Non, je suis pas gaffe. Donc vraiment, on part bien dans l'axe. J'espère que le marathon, je vais pas courir. On se refait un groupé en essayant d'être bien dans l'axe et après on se fait un tendu. Vas-y. Fais ça. Allez. Ouais. On part sur tendu. Vas-y. Allez. Je travaille, mais c'est pas grave. C'était fort. Il était tendu? Ouais, il était bien tendu. Moi, je suis au bout de mes limites, je crois. Là. Non. Je peux pas faire de bruit. Ah bon? Ouais, non, impossible. Un petit demi? Non, j'ai jamais fait. En fausse? Non, j'ai pas fort. Je sais pas. Un peu de fun. Le truc à pas faire, c'est quand tu pars en vrille, à tirer ta tête pour aller chez essayer de chercher. Je suis ici, là, tu gardes ton oreille collée à ton épaule. Ouais. Et ensuite, tu viens voir. Moi, là, ce que je faisais, c'est que j'arrivais là, mes tendus, ils étaient bien comme ça, toujours. Ouais. Et dès que je faisais une vrille, je faisais ça. Et quoi que je pensais, je faisais ça. Écoute, pendant 10 ans, les gars, je faisais de la merde. Pendant 10 ans, et peut-être là, ça fait 2 ans que t'as pas fait, tu vas faire une vrille, tu vas même pas savoir. Pourquoi la gym, ça fait peur? J'ose pas, là, je suis. Tu sais que je voulais pas faire. Mais je sais que c'est la première fois de ma vie. Elle est parfaite. Mais gros, je voulais pas faire ça. T'as tiré un peu la tête, mais franchement, elle est cool. Mec, je voulais faire un salto. Bah écoute, elle est bravo. Belle vraie. Mais je sais que je voulais faire un tendu, mec. Je sais pas faire une vraie. Ouais, mais tu l'as gardé dans un petit coin de ta tête, tu t'es dit. Et là, elle est parfaitement dans la chambre. Choqué, gros. Je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, j'ai fait vrai, je suis refait en vrai. Ah bah. Prochain ingrès, c'est... Arson.
Va falloir qu'on trouve des poignées barres. Les arçons, ça va être un petit peu plus rapide, je pense. Ouais. Un petit peu plus douloureux aussi. Ouais, aussi. Cheval d'arçon, bah, on est parti. Cheval d'arçon, let's go. Allez. Ouais, c'est pour les cartons. Ouais, mais voici le cheval d'arçon. La bête. La bête noire. Tu veux faire quoi là? Bah, je voulais faire des cercles, tu vois. Direct ou on montre la base balancée, ciseaux? Balancer ciseaux. Histoire de chauffer les poignets, tu vois. Allez, vas-y. Tu sais faire encore? Je sais pas. Ok. Ah, mais en short, c'est dur. Non? Ouais. Oh. Attends, mais t'es censé montrer ce que je dois faire. C'est dur. C'était dur. En fait, faut que vous sachiez que les arçons, ça fait. Enfin, c'est. Moi, ça va me faire hyper mal au poignet parce que j'ai plus de 85 kilos qui sont directement sur mes poignets. Et bah, vous voyez, ça accroche de fou. Et quand t'es en short, bah, t'as les poils et en fait, tout est dur. Ouais, ça accroche, c'est vraiment pas dur. Et quand t'as un peu la masse que j'ai, bah, même au niveau des appuis, c'est dur de. Mais quand on regarde comme ça, on peut pas se rendre compte. Ah ouais, non, c'est fou, mais c'est. Ça fait trop bizarre. Bon, on va commencer tranquille. Dis-moi ce que je dois faire. Donc là, on est ici. Et juste, on va faire des balancées là. Ok. Merci. On va sortir la bête. La machine. J'ai mis la manisie partout sinon. Non, quand même pas. Balancer. Ouais, balancer. C'est serré du coup, non, pour moi. Non, mais on s'en fout. Franchement, ça va aller là-dessus. En fait, j'ai peur que ça accroche à fond. Non, tu vas voir, ça glisse un peu. Ouais. Ouais. L'adducteur. Mais c'est pas, ça fait mal, c'est, tu sens ouais. le tendon qui passe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Allez, c'est ça. On sent la souplesse légendaire. On sent, hein. Du coup, on va faire balancer, engager, dégager. Ok. On passe devant. Donc, on est ici. Ça. Deux fois? Ouais, j'ai fait deux fois le check, histoire de se remettre un peu dedans. Quoi. On engage, on dégage. Ah, direct? Ouais, on engage, on dégage. Oh, c'est lourd! Ouais. Ok. Alors, on fait ciseaux ou pas? Ouais, vas-y. On en fait un, deux? On enchaîne. On enchaîne les ciseaux. Allez. Pas autant, mais. Ah, tu m'as dit d'enchaîner. Ouais, deux, c'est bon. Ah, tu nous en fais deux. Je sais même pas, mec. Ciseaux, c'est 30 ans. Yes. Ouais, vas-y. C'est beau. Je sentais que. Chaque fois qu'il m'en faisait un. En plus, ça faisait un petit peu plus. En fait, ouais, faut pas oublier de pousser, en fait. Ouais, toujours. Bon, c'est comme le vélo. Ça va pas être pareil, moi. Allez. Tu veux qu'on écarte un peu ou pas? Non, je pense que ça va le fait. Ça va fait. En fait, c'est bizarre, tu te sens pas confiant de t'en enchaîner plus que un. Hey, attends, y'a un bug. J'ai l'impression que je peux pas enchaîner. Si. Franchement, tu vas voir, ça va revenir. C'est trop bizarre. Allez. Danse. Oui, c'est ça. Allez, encore. Vas-y. Ouais, et puis, grande base. Combien il m'en faut? 5. 5? 5, allez. Mec, j'ai mis mon pouce, j'ai failli. J'ai posé 2. Faux départ, 5. Allez. Ouais, c'est ça. Mais mec, je suis en arrière. Ouais. T'es un peu en arrière, et puis vraiment, au moment où tu passes ton cercle, tu engages vraiment en pointe. Là. Ah ouais? Essaye d'engager un peu plus en bassin. Le premier là, tu veux dire? Ouais, exactement. Ouais, c'était mieux. Encore. Allez, vite ta main. Allez, c'est ça. Ah, ça va? Ouais, ça va. On est passé pendant la catastrophe. Bon, c'est pas mal quand même. Mais non, j'en ai fait 4. Objectif pas rempli. Hein. Je suis dégueu. Bah, tu vas refaire. Mec, c'est trop dur. Tu vas refaire. Franchement, on lâche pas. Ok, vas-y, je vais me refaire une petite série moi. Cinq, six, sept, huit,
Bon, allez, 5. C'est quoi 5, ça dure? C'est censé durer 5 secondes en vrai. Allez. 1, 2, 3, 4, pas de pression. 5. Bah voilà. En fait, faut que je tourne. Ouais. Et quand je... Et puis là, tu viens chercher ton appui. J'ai essayé. Donc au moment où tu viens chercher ton appui, tu peux repousser derrière pour pouvoir engager. Putain, mec, je suis content, j'ai fait juste 5. C'est comme si t'es content, t'as fait une roulade. Tu... Ouais. Bah voilà, je suis au max de mes capacités, je crois. Arson terminé, c'était rapide, parce que bah, moi je suis rouillé, je sais rien faire. Kevin, c'est pas son gros point fort, donc on a eu la démo du futur champion du monde. Aux arsons. Et du coup, les exercices suivants, c'est les anneaux qui sont juste au-dessus. Moi j'ai pas de manique parce que j'ai plus le matériel de gym, mais tu peux nous montrer vite fait en zoom. Ouais. C'est le manique, ça prend moi je peux les garder. Ouais, ça prend au niveau du poignet ici, puis en fait ça permet d'avoir un bon engagement au niveau de l'anneau. Ici. Et les maniques anneaux, elles ont deux trous. Ouais. C'est deux doigts et la fixe est trois. On va faire les petits balancés, donc travail de suspension et après un petit travail d'appui sur des forces. On va se tester, on va voir ce que ça donne. Des petites croix ou quoi? Pas grand chose, je pense. Équerre, je vais faire une équerre encore. Équerre. Ça va être marrant de balancer sans manique aussi. Ouais, mais je peux te les passer sinon. Oh, les abdos. Je vais pas me déchirer. Tu sens? Ah mais non, mais c'est... Derrière, non? Ouais? On se barre. Quand t'arrives derrière, là? Attends, moi je vais aller doucement parce que si j'ai pas une notion de déchirure en demi. Tu veux les... Moi je vais essayer vite fait sans, mais si... Oh, parce que le but c'est pas de faire des balancés genre... extrêmement haut, tu vois. Ah ouais. Bam, abdo. C'est le bas du dos surtout. Bas du dos, toi? Ah ouais, c'est les abdos aussi. Ah. Ouais, en fait, c'est un mix de dos, là, ça creuse, là, et les abdos. Ah ouais. Moi, bas du dos, ça va, mais abdos, ouais. Je crois qu'on va pas faire grand-chose aux abdos. Je vais faire quoi, du coup? Tu refais le réta, là, tu m'as dit. Petit balancé, et puis réta à l'appui. Allez, je fais 3 petits balances. Ouais. Si je sais faire encore. Allez. Ça fait trop mal. Ah, putain. Attends, faut que je fasse. Et. Il y a quoi de moi? Il n'y a rien d'autre. Disloque avant, ça peut. Disloque avant, ça le fait, non? Disloque avant, ça peut le faire. Disloque arrière, non. Je sais. Comment tu dis? Talon. Tire talon. Et tu disloques. Voilà. Ça m'a fumé le dos! Mec, je sais pas quel moment. Équerre et équilibre. Allez. Et simultané. Par contre, ma femme, il va mettre les pieds dans les câbles. Faut pas que je mette les pieds. T'as pas engagé les poignets, mec. J'arrive pas. Attends, mec, je sais plus faire une équelle. Allez. En fait, là, je suis pas placé. Ouvre au niveau de tes anneaux, là. Ouais, mais moi, je suis pas bien. On va faire un petit exercice en bas, là. En fait, les anneaux ils sont là. Je te pousse parce que t'es légèrement déséquilibré. Oh, mais du coup, c'est terminé vu que tu me pousses. Bah non, parce qu'en fait, je peux récupérer ton équilibre comme ça. Donc, faut que je reste. Ouais, tu restes. Tu lâches pas. Quand tu sens que moi je te pousse, je te gère. Si je tombe, en fait, tu gères. Ouais, je gère. Oh. Allez. Aouh. Ok, donc là, l'idée c'est voilà, tu ici et tu ressens. Ok, on y va. C'est ça. Allez, encore. C'est bien.
Ouais, je suis plus serein, après, ça fait... En fait, plus ça avance, plus je me sens trop bizarre. Mais... Tu vois, faut pas que tu paniques. Vraiment, j'étais ici et c'est mieux. L'équilibre. Ben, bien sûr, c'était mieux. Déjà, on sent l'action que tu fais. Voilà, mais l'objectif, c'est de faire des forces. On va voir si je suis capable encore de faire la fameuse croix de fer. Ouais. Et franchement, moi, tu penses que je vais réussir ou pas? Ouais. Ah, ça sera pas clean après, mais tu penses? Je pense que tu vas la faire un peu là, tu vois. Mais tu penses que je vais finir genre 2-3 secondes? Ouais, tu vas. La croix, vous connaissez, c'est quand vous êtes en appui, tu le sens tenir comme ça. Parce qu'il faut que tu montres l'exemple. Hein. En plus, ça m'a attendu, gros. Moi, elle sera pas du tout comme moi, elle sera comme moi. J'en fais qu'une. Ah, oui, c'est bon. Suspense. Comment? Ça fait tellement longtemps. Allez, bloc. Allez. J'étais en horizon ou pas? J'étais en bas et je voyais pas. Je sentais un truc là, mec, j'avais peur que ça pète. Ah, ça fait mal. Mais t'avais surtout la tête comme ça. Mec, j'ai tout donné. Mais je le sentis là, gros. Ouais. Je sais pas, c'est triste. Mais parce que je pense que t'as une légère flexion au niveau du bras. Et du coup, tu dois vraiment. Ça va? Ouais, ça va, c'est bizarre. Ça va, ça? On va pas s'amuser à en faire. C'est triste. Bon, équipe, on a terminé la première partie de cette vidéo. Les trois premiers agrès, sol, arçon, anneau. Là, on va souffler un petit peu. Et on arrive à la fin de cette première vidéo. La suite arrivera dans les prochains jours, partie 2. Avec les trois autres agrès, donc parallèle, barre fixe et le saut. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, on va donner de la force à Kevin, et on se retrouve pour la partie 2 dans quelques jours et quelques semaines. Peace.